Bonjour à tous, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, enduit chauffant sur un support minéral, un mur en pierre. Donc c'est parti, première étape, nettoyage, dépoussiérage, humidification du support. Ça c'est ce qu'on fait systématiquement hein, sur ce genre de support. La première couche, un gobelet. Donc gobelet qui va faire couche d'accroche pour la suite de l'opération. Alors la qualité est dégueulasse, je sais pas pourquoi. Ma caméra commence à avoir un peu des soucis, peut-être un réglage qui s'est modifié. Donc là, et vitesse réelle du travail manuel. N'hésitez pas à mettre un peu de musique chez vous, hein, ça peut faire passer le temps. Alors j'aime bien faire des gobelets un peu épais et présents sur quasiment toute la surface du mur. On peut le faire un peu plus liquide et on peut aussi le projeter sur moins de surface. Mais voilà, c'est une question d'habitude. Ce qu'il faut évidemment, c'est que l'enduit suivant, la première couche du chauffant, tienne correctement, quoi. Voilà, lunettes de sécurité parce que ça gicle. Et avoir de chaud dans les yeux, de la chaux dans les yeux, c'est pas très agréable. Donc sur la fenêtre de gauche, on voit, j'ai mis, comme il y avait un linteau en bois pour qu'il y ait une bonne accroche, j'ai mis du Nergalto, un treillis métallique galvanisé. Voilà. Et après j'en mettrai un aussi. Donc ça c'est la deuxième partie, il y avait un mur où j'ai déjà fait un chauffant, c'est une maison qui est rénovée en deux fois. J'avais fait un premier chauffant, donc là je refais un gobelet par-dessus pour être tranquille. Bien sûr, j'ai humidifié avant quand même. Et je protège aussi le lambris qui a été posé. Donc la première passe de chauffant. Donc en gros je vais faire deux passes de à peu près 3 cm en moyenne. Donc je vais suivre les aléas du mur. Donc là je projette des grosses boulettes de matière. Je prépare la matière au moins la veille. Si ça va dans les yeux, après ça peut finir aux urgences. Je t'ai dit que la chose c'était un peu. Hein? Vous avez expliqué? Oui, ouais. Voilà, projection de la matière et après dressage. Là, je dresse au platoir de main, ça va bien. Si on a des grandes surfaces de mur, on peut dresser aux règles plâtriées, aux règles biseautées. Tout dépend de ce de ce qu'on recherche. Voilà, sur les tableaux de fenêtre, pareil, on met l'épaisseur qu'on peut mettre, ça dépend des menuiseries, comment elles sont posées. Là, j'ai pu mettre 2-3 cm en tout. Non, là, il y a mes neveux et nièces qui sont passés. Alors, c'est vraiment pixelisé, hein, c'est dommage, mais bon. Il s'est passé un truc dans ma caméra. Donc j'avance par partie, je charge un endroit et après je viens le dresser, le préparer pour la suite. Donc là il n'y a pas de.
Alors je bourrine hein, quand je fais ça. Hein. J'appuie vraiment fort pour que ça vienne, le chauchant rentre bien dans tous les interstices du mur. Pour pas qu'il y ait de. Pas que ça sonne creux quoi. Et après voilà, je dresse un peu dans tous les sens pour éviter les effets de vagues. J'alterne platoir, taloche, ça dépend de mon envie. Les linteaux, toujours un peu pénible. Ça tombe, faut y aller par petites épaisseurs. Et au final ça tient. Donc là la première couche est vraiment pas travaillée, elle est vraiment juste dressée. Et là voilà, là je fais la seconde couche qui elle est travaillée, donc finition lissée. Donc, j'ai un beau contre-jour, on voit pas des masses. Alors je suis pas vidéaste. Hein. Donc là je suis quasiment, enfin je suis pas frais dans le frais parce que j'ai fait ça le lendemain ou sur le lendemain, mais c'est quand même encore bien humide. Là le séchage à cœur va quand même durer quelques semaines voire quelques mois. Et voilà, on fait la préparation partout et après on lisse. Donc ça dépend du rendu final que vous voulez, mais souvent je le fais en finition lissée. Donc avec une petite langue de chat, je passe sur toute la surface, des allers-retours. C'est le plus gros du boulot. Pour une finition lissée. Après sur les fenêtres, au niveau des appuis de fenêtre, il y aura un appui en bois. Pour finir, pour que ce soit plus esthétique, pour pouvoir poser des choses tranquillement, c'est une meilleure dureté que le chauchant. Voilà un peu le boulot. Il faut être patient, mais on peut reboucher, donc ça participe aussi à l'étanchéité à l'air. Hein. Et voilà le résultat final. Alors il y a un changement de dimension d'image, il y a des choses qui me dépassent un peu dans la vidéo, mais le rendu. Voilà. Donc ça c'était la première partie, il y avait déjà eu un chauchambre. Là il y a un décalage parce qu'il y aura une cloison au milieu. Et voilà la seconde partie, là il y avait l'air, des petites boulettes de chauchambre. Bon là c'est une coulure du bois de sature, enfin du bois pour l'isolation qui... Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un autre chantier. Salut, salut!